Chers amis, bonsoir, bienvenue à ce cercle de guérison de la rentrée, celui du mois de septembre. Vous le savez, ça fait déjà quelques mois que Luc Baudin et moi-même sommes animés de valeurs communes et d'envie de contribuer vers le plus grand nombre de personnes pour proposer un cheminement vers une auto-guérison de nos différents corps. Déjà, je tiens à remercier toute la communauté de Luc qui vient régulièrement maintenant à ce rendez-vous mensuel, et puis notre communauté de la santé irrésistible et de l'amour irrésistible. Bonjour Luc. Bonjour Olivier, bonjour mon ami et bonjour à tous. Je suis toujours très heureux d'être là avec toi, bien sûr, mais avec toute cette magnifique communauté, nos deux communautés, mais bien plus que ça encore, j'en suis bien sûr. Donc de toute façon, tout le monde est le bienvenu et c'est un véritable bonheur d'être là. C'est un véritable bonheur, c'est un véritable honneur que vous suiviez ce programme. N'hésitez pas à liker sur nos chaînes YouTube et surtout à partager ce programme-là dans votre premier cercle et auprès de toutes les personnes pour lesquelles vous pensez que ça sera utile. Alors, une courte présentation du cercle pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Les cercles sont issus d'une technologie de guérison ancestrale autochtone de plusieurs traditions partout dans le monde. La guérison ne peut avoir lieu que dans un objectif commun. Et c'est pour ça que nous sommes là tous ensemble, parce que si une personne guérit, toutes les personnes du cercle profitent de cette guérison. Luc. Pour ce cercle, de toute façon, nous allons être aidés. Donc, nous allons être aidés pour justement permettre aux personnes qui vont être indiquées dans le chat d'avancer sur leur chemin de guérison. Et pour ça, on va être aidés de multiples façons. C'est ça qui donne la force à ce cercle. La première chose, c'est que nous allons commencer à appeler tout simplement les êtres de lumière, les guides, les anges, les archanges et le divin d'amour. Après ça, nous allons aussi faire appel aux thérapeutes. Il va y avoir les thérapeutes qui sont là devant vous, mais il y a certainement d'autres thérapeutes qui sont là à assister à ce cercle. Et donc, ils sont les bienvenus pour transmettre et participer aussi aux bénéfices que va apporter le cercle. Après ça, il va y avoir aussi le pouvoir guérisseur de chacun. Donc, chaque personne a un pouvoir énorme de guérison et il faut bien arriver à le comprendre et à l'admettre. Et pour développer ce pouvoir de guérison, eh bien, une des premières choses qui est très importante, c'est de croire à sa guérison. Ça, c'est déjà très important. Enfin, le dernier élément qui va intervenir, c'est l'effet du groupe. L'effet du groupe qui va être animé tout simplement d'un but, d'un esprit commun. L'esprit commun, c'est de soigner, de soulager, de se soigner, de se guérir, mais aussi d'aider les autres à se soigner et à se guérir. Et dans ce petit préambule, je vais tâcher de ne pas être trop long, mais j'insisterai sur le fait que ce ne sont pas les thérapeutes ou les médecins qui guérissent, ce sont les malades eux-mêmes qui vont guérir. Donc ça, c'est très très important. Les médecins, les thérapeutes apportent leurs connaissances et leurs techniques pour aider les personnes sur leur chemin de guérison. Et c'est aussi ce que va faire ce cercle de guérison pour vous ce soir. Alors, merci Luc pour toutes ces précisions, pour ces engagements. Et nous vous rappelons que bah, là, nous sommes en direct. C'est quelque chose qui est précieux. Mais si vous découvrez ce cercle de guérison un petit peu plus tard, puisqu'il sera disponible en replay, eh bien, ça aura la même valeur, ça aura la même efficacité. Donc, que ce soit en présentiel ou en différé, vous pouvez toujours avoir accès à ce cercle de guérison. Oui, il y a un tout petit truc que je dis et que je répète et qui est très important. Nous allons travailler sur ces énergies qui sont des énergies de guérison, entre autres, qui vont être véhiculées par les différents intervenants dont je parlais tout à l'heure. Ces énergies n'ont pas le temps et l'espace et la distance n'interfèrent pas. Donc, en fait, en différé, le soin a toujours la même efficacité et la même valeur. Voilà, excuse-moi Olivier de t'avoir interrompu. Mais T'étais autant pis. parti et C'était effectivement très bien de le préciser. On parle de soins, les amis. Ce rendez-vous, je vous rappelle, n'est pas un enseignement médical. Il ne peut se substituer à un diagnostic effectué par un médecin ou un professionnel de santé. N'arrêtez bien entendu jamais votre traitement sans avis médical et soignez-vous toujours en accord avec votre médecin. Alors, pour certains qui avaient maintenant l'habitude depuis quelque temps de nous rejoindre, vous connaissez Luc, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas,
Luc est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle, et il est de plus auteur et conférencier. Alors aujourd'hui, Luc, nous avons la chance et l'honneur d'avoir un... Oui, tu lèves le doigt, je t'écoute. Oui, parce que tu t'es encore oublié, Olivier. Oui, mais ça c'était après normalement, tu me présentes après. Mais Ah, je veux bah, dire, c'était moi je pas me mets en dernier, mal. c'est Pour moi, dans le texte, c'était toi. Mais c'est pas mal, ça en dernier, puisque c'est ça. Vas-y, présente notre invité. C'est quelqu'un que j'adore aussi. Oui, alors je disais que nous avons la chance, l'amitié et l'honneur de recevoir quelqu'un qui nous est très cher. Il s'agit de Jean-Marie Le Gall. Jean-Marie Le Gall, il se consacre à aider et soulager les personnes en tant que magnétiseur, secondé dans son travail par l'aide apportée par les médecins du ciel. Son grand-père médecin avait promis à Jean-Marie de l'accompagner et de le guider depuis le monde spirituel afin de l'aider dans sa mission avec d'autres médecins du ciel. Alors, c'est là où nous accueillons Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, sois le bienvenu dans ce cercle de guérison. Bonsoir à tous. Ça fait Bonsoir très Jean-Marie. plaisir d'être avec vous en présentiel et avec tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, visibles et invisibles. Merci Jean-Marie de t'être rendu disponible ce soir. Je te laisserai bien entendu nous te laisserons bien entendu la parole un petit peu plus tard pour que tu puisses étayer un petit peu cette présentation que nous t'avons faite. Mais surtout, je tiens à préciser à nos communautés respectives que c'est vraiment une participation exceptionnelle de Jean-Marie et des Médecins du Ciel. Il vous expliquera pourquoi. C'est la première fois que Jean-Marie va pratiquer un soin collectif en direct. Voilà, mon cher Luc, pour la présentation, Jean-Marie, à toi! Voilà. Écoute, puisque tu avais choisi cette dernière position, c'est à tout en ton honneur. Donc, je vais te présenter. Je vais présenter Olivier, Olivier, mon ami Olivier, Olivier Ferrer, qui est un amoureux, de la nature et de la vie. Il s'est donné comme mission d'inspirer et d'accompagner le maximum de personnes en partageant des découvertes et ses découvertes relatives à la santé. Il est le créateur également du Congrès de la santé irrésistible, et où il propose de cheminer en conscience vers l'auto-guérison. Un joli programme. Merci Luc pour cette présentation. On va maintenant poser une intention de guérison. Saviez-vous que l'expression d'une intention de guérison crée des ondes lumineuses comptant parmi les plus organisées que ce soit dans la nature? Alors, posons une intention de guérison pour nous-mêmes et pour les personnes qui seront mises en intention à travers le chat. Je vous rappelle que vous pouvez effectivement rentrer votre intention personnelle ou collective à travers le chat. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à présent, Luc, tu te souviens, en début de séance, on fait apparaître une petite pancarte pour déjà poser la question aux personnes qui sont avec nous ce soir, quel est leur niveau de bien-être aujourd'hui, à cette heure-ci, au début de ce cercle de guérison? Donc, vous voyez, vous avez une échelle de 1 à 10. 1, vous êtes dans un état, ben, ma foi, hors service, ou vous êtes effectivement sur 10, vous êtes en super forme. Pourquoi on vous montre ça avec Luc? C'est que nous allons procéder à différents soins et nous aimerions que vous puissiez apprécier pour vous-même et par vous-même votre degré de bien-être à la fin de ce cercle de guérison. Voilà. Maintenant, je vous invite, chacun que vous êtes, mais aussi toi, Luc, et puis toi, Jean-Marie, de prendre place au sein de ce cercle. Pour ma part, je prends ma place dans ce cercle. Je prends ma place dans ce cercle de guérison. Je prends ma place dans ce cercle de guérison. Alors, je pense, Luc, que Et tu peux faire voilà. l'appel. Parce que maintenant que tout le monde a pris sa place dans ce cercle de guérison, moi je vous propose de commencer par appeler ces êtres de lumière, les êtres, les guides,
les anges, les archanges, et puis ce divin d'amour qui est au-dessus de nous, et on va leur demander à ce qu'ils viennent nous protéger tous, autant que nous sommes, individuellement et collectivement, durant tout ce cercle. Mais aussi qu'ils viennent nous aider dans ce processus de soins et de guérison que beaucoup de personnes suivent depuis certainement un certain temps pour bon nombre d'entre eux, et donc que ces êtres merveilleux viennent les aider pour cheminer vers la guérison. Voilà, donc c'est ça peut demander un petit instant, une petite dizaine de secondes de recueillement pour que chacun appelle ses êtres, ses guides, le divin. Et Luc, je profite de cet appel pour laisser la parole, avant d'entamer les soins, laisser la parole à Jean-Marie Le Gall. Nous allons, après sa présentation, la présentation qui va faire de sa présence aujourd'hui, nous commencerons un soin que je proposerai en respiration. Jean-Marie fera bien entendu son intervention, et puis Luc, tu fermeras le cercle de soins. Mais dans un premier temps, puisque nous avons invoqué les aides divines et invisibles, Jean-Marie, je pense que c'est le moment, peut-être, de te présenter ou d'expliquer à nos communautés ce que tu fais et qui tu appelles. J'essaierai d'aller à l'essentiel, à l'essence du ciel. Le but, ce n'est pas de faire une conférence. J'en ai fait de nombreuses. Donc, je vais aller à l'essentiel. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père extraordinaire qui était un médecin, maintenant décédé, et qui, quelques temps avant la veille de son départ de l'au-delà, m'avait fait une promesse en temps et heure que quand il repasserait de l'autre côté du miroir, lui-même, assisté de ses confrères médecins, de ce plan spirituel, il me guiderait dans mon travail de magnétiseur en posant ses mains de lumière et de chirurgien de l'au-delà ou d'autres médecins pour me permettre modestement d'être une courroie de transmission, du moins pour essayer le mieux possible de soulager les gens. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant depuis plus de 35 ans. Je n'ai aucune la prétention d'avoir une vérité quelle qu'elle soit. Je ne suis qu'une modeste courroie de transmission. Et lors de ce travail d'accompagnement, j'essaye de travailler, ce que tu sais tout aussi bien que moi, Olivier, que Luc, de travailler sur cette, je dirais, sur ce corps que différentes traditions appellent corps énergétique, et de ces centres vitaux qu'on appelle les chakras. Donc mon travail consiste à travailler essentiellement sur ce corps énergétique sans contact physique. Et lors de ce travail, j'utilise des méthodes assez traditionnelles en tant que magnétiseur, que je ne développerai pas ce soir, mais aussi plus principalement lorsque cette grâce m'est accordée dans certaines séances où je vois se matérialiser, comme je vous vois, sous forme très lumineuse, au départ, des formes humanoïdes qui progressivement prennent une forme caractéristique humaine, avec des habits, du reste habillés en général en tant que médecin, infirmière ou chirurgien. Et parmi ces êtres qui se manifestent, je vois apparaître concrètement mon grand-père, le docteur René Le Gall. Et un peu comme, si je puis utiliser en paraphrasant, comme si j'étais un peu dans une situation comme dans un bloc opératoire, et je vois effectivement que mon grand-père ou ces médecins du ciel ou ces chirurgiens s'approchent de moi avec certains instruments très subtils, seringues, coton, pinces, etc. Et ils mettent sur mes mains ces mains de lumière. Et à ce moment-là, je pratique d'une façon pas inconsciente, en étant dans un état modifié de conscience, un travail subtil pendant un certain nombre de minutes sur ce corps énergétique. Voilà ce que je peux dire, le plus simplement possible. Très bien, je te remercie, Jean-Marie. Donc, nous allons commencer à proprement parler les soins. Si vous avez l'habitude d'être avec nous, vous savez que j'aime bien commencer par une respiration. Pourquoi ? Parce que
La respiration, c'est le pont qui relie la vie et la conscience, qui unit le corps et le mental. Chaque fois que notre esprit se dissipe, il est bon d'utiliser la respiration comme moyen de la ramener ici et maintenant. Et vous le savez, c'est dans le ici et maintenant que se produisent les miracles. Alors, nous allons respirer ensemble, les amis. Déjà, dans un premier temps, je vais vous inviter à vous installer confortablement où vous soyez, que ce soit dans un fauteuil, dans votre sofa ou même peut-être allongé, de vous détendre, de lâcher prise et puis de prendre un cycle respiratoire normal. Quelque chose qui est tout à fait, comme vous savez, les vagues de l'océan qui va, qui vient. Et de ne surtout pas forcer, d'observer simplement votre respiration, d'inspirer et de respirer à votre rythme pendant quelques temps. Et puis, pendant que je vous explique ça, continuez à respirer calmement à votre rythme. Nous allons faire une respiration qui va être assez simple, vous allez le voir. Nous allons respirer sur un cycle d'inspiration, puis une seconde d'expiration. Puis nous allons passer sur 2 secondes d'inspiration et 2 secondes d'expiration. Et ainsi de suite. 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration, jusqu'à 10. Alors, peut-être que ça va vous paraître un petit peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de forcer la respiration, mais c'est là où on va faire justement le travail essentiel que de ne plus du tout écouter notre mental et d'être dans la respiration. Donc, je vais vous aider dans cette méditation en comptant. Et je vais vous donner l'exemple comment les choses vont se passer. Inspiration, je vais faire 1, 2. Alors, je reprends. Inspiration à faire 1, expiration 1. Inspiration 1, 2, expiration 1, 2. Inspiration 1, 2, 3, expiration 1, 2, 3. Voilà, ça c'est l'exemple. Moi je ne vais pas inspirer, expirer parce que je ne pourrais pas compter. Donc c'est en suivant le comptage que je vous invite à pratiquer cette respiration. Luc, Jean-Marie, est-ce que mes explications sont claires pour vous ? Tout à fait. J'ai tout compris, c'est très bien. Très bien. Donc voilà, écoutez, on va commencer en expirant sur 1 seconde et en expirant sur 1 seconde. C'est parti. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Voilà, maintenant je vous invite à reprendre votre cycle de respiration normal, tout en intégrant ce qui s'est passé pour vous. Ne réfléchissez pas, reprenez une respiration normale, classique, à votre rythme. Et si vous êtes dans le jugement parce que vous n'avez pas suivi le cours du comptage, pas d'inquiétude, c'est pas grave, ce n'est pas une compétition. Nous avons la chance d'être enregistrés, vous aurez la possibilité d'avoir ce replay et de pratiquer à votre convenance autant que vous voudrez. Et quand vous allez repratiquer, peut-être même que votre mental, au bout du troisième cycle, des trois secondes, va vous dire « non, j'y arrive pas » ou « j'ai pas suffisamment de capacité pulmonaire ». Ne vous inquiétez pas, recommencez, c'est à la portée de tous. Donc, je vous encourage effectivement à refaire cette respiration qui vous reconnecte avec vous-même et qui nous a préparé aux soins de Jean-Marie. Jean-Marie, c'est à toi. Merci Olivier. Donc, que vous soyez, comme disait Olivier, assis dans un fauteuil, allongé sur un lit, je vais vous inviter, selon chacun, soit certaines personnes qui seraient plus à l'aise, vous pouvez garder les yeux ouverts. D'autres, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez garder les yeux fermés. Je vais vous inviter maintenant sur la même dynamique, effectivement non pas à reprendre un rythme respiratoire spécifique, mais à continuer, comme le venait de le dire Olivier, de respirer tranquillement et paisiblement. Pendant cette préparation, je vais mentalement inviter, non pas pour une personne, mais pour l'ensemble des personnes qui se seront joints à nous, d'avoir une invitation du cœur, effectivement, à inviter les médecins du ciel et mon grand-père à venir nous assister pendant ce travail, qui sera en quelque sorte qu'une méditation guidée. Donc, vous fermez les yeux. Alors, laissez, si vous pouvez, le mental de côté. N'ayez aucune crainte. Rien ne peut vous arriver. Tout se passe d'une façon positive. Il est possible que pendant la séance ou après la séance, d'une façon objective ou subjective, que certaines personnes auront peut-être la sensation d'avoir certaines parties qui soient touchées à travers leur corps physique, d'avoir des sensations comme des mains qui posent sur leur corps. N'ayez aucune crainte, tout est positif. Il est possible aussi que pendant la séance, comme on l'a fait remarquer, ou après la séance, qu'il y ait la possibilité de sentir des odeurs caractéristiques d'éther autour de vous. C'est un phénomène qu'un certain nombre de personnes en séance ou à distance m'ont fait remarquer. Là aussi, c'est une des manifestations que j'ai pu observer au fil des années lorsque ces médecins du ciel se manifestaient. Le but, ce n'est pas de faire ce soir du sensationnalisme, loin de là, mais je voulais simplement signaler que peut-être pour certains d'entre vous, cette possibilité pourrait se présenter et je tenais à vous mettre complètement à l'aise. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux ou à les garder ouverts. J'invite maintenant cette source bénéfique et lumineuse, comme a dit Olivier. Vous lui prêtez le nom que vous voulez, ce qui vous convient le mieux, amour, Dieu, énergie. C'est sur énergie cosmique, divine, qui passera avant tout à travers vous et à travers ces messagers du ciel, que j'appelle les médecins du ciel. Je les évoque dans mon cœur, je les évoque pour vous, mes amis qui m'écoutez ici et maintenant ou à distance. Maintenant, en présence de nos amis, de l'invisible qui se manifeste. Chacun individuellement, vous pouvez sentir leur présence
bienveillante et amicale. Ces êtres intensément lumineux se matérialisent progressivement et délicatement, avec beaucoup d'amour, s'approchent de vous. Ayez confiance. Ces médecins du ciel, assistés de la puissance spirituelle qui passe à travers les mains, s'approchent de vous délicatement, plein d'amour. Certains pourront sentir des sensations de chaleur. Des émotions peuvent se libérer spontanément. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en paix. Maintenant, délicatement, ces êtres de lumière s'approchent de vous, rentrent dans votre rayon d'action, dans votre aura, près de votre corps subtil. Je sens personnellement la présence, pendant que je vous parle, de mon grand-père à côté de moi, bienveillant. Maintenant, à leur rythme, chaque médecin du ciel, s'approche de vous individuellement. Vous pouvez mentalement envoyer une impulsion à ces médecins mentalement pour leur signaler mentalement à l'endroit de votre souffrance physique ou psychique. Simplement une pensée. Et laissez faire le processus. Maintenant, délicatement, ces êtres s'approchent de vous, rentrent dans votre champ aurique. Et avec leurs mains de lumière, se posent en l'endroit spécifique qui est nécessaire. Vous pouvez peut-être sentir une présence à côté de vous, ayez confiance. Vous pourrez peut-être sentir une sensation de main qui se pose sur votre corps maintenant. Ayez confiance. Tout se passe dans ce corps énergétique en douceur, paisiblement et calmement. De leurs propres mains peuvent jaillir des faisceaux lumineux. Vous pourrez peut-être apercevoir, pour les gens qui ont les yeux fermés, des formes lumineuses. Vous pourrez peut-être voir en cet instant ces êtres qui sont à côté de vous, qui par des mouvements au-dessus de votre corps font des gestes spécifiques, comme injecter un produit dans votre corps ou faire une incision. Vous ne sentirez rien. Vous êtes parfaitement en sécurité. Tout se passe dans les meilleures conditions. Je vais garder le silence pendant quelques secondes pour que vous intériorisez bien ce qui est en train de se passer. Vous êtes en pleine sécurité avec des êtres d'amour et bienveillants. Si des émotions se libèrent, que vos jambes bougent, que votre respiration augmente, que des émotions mesurées se libèrent, qu'il y ait des larmes qui coulent sur vos yeux, vous êtes en sécurité et vous êtes en paix. Maintenant, individuellement, ces êtres peuvent se diriger du bassin jusqu'à la tête en passant étape par étape un certain nombre de centres énergétiques. Vous voyez peut-être ces mains se positionner, pour ceux qui ont les yeux fermés, délicatement ces manières, se poser un à un, individuellement, sur certains de ces centres énergétiques, qui va du bassin, en passant par le nombril, en passant par le cardiaque, en passant par la gorge,
en passant par le front, en passant par le chakra coronal, individuellement, chaque médecin qui pose ses mains de lumière sur les centres énergétiques et vitaux. Chaque personne va recevoir un soin individuel et personnalisé. Il est possible que ces médecins du ciel insistent plus particulièrement sur l'un de ces centres. C'est normal. Je laisse quelques instants ces êtres de lumière travailler sur vous. Dans un deuxième temps qui peut se présenter maintenant, vous verrez peut-être aussi ces êtres, ces médecins, être à côté de vous et faire certaines passes de magnétisme dans un certain sens autour de votre corps. Tout cela pour fluidifier votre corps énergétique. Maintenant, pour terminer cette séance, l'ensemble de ces médecins, je vois, vont se diriger principalement vers votre tête et le chakra qu'on appelle le chakra coronal. Continuez à respirer tranquillement et tout doucement. Ils imposent leurs mains sur cet endroit spécifique qu'on appelle le chakra coronal et transmettent une énergie d'amour et de guérison qui va pénétrer tout votre corps énergétique et votre corps physique en passant principalement par une glande qui s'appelle la glande pinéale qui va être activée. Sentez cette sensation d'amour, de chaleur et de compassion qui vous environne. Maintenant, ces êtres de lumière qui nous ont offert cette bénédiction de venir près de vous vont remonter dans leur sphère de lumière. Ils sont tout autour de vous, ils sont tout autour de nous. Ils nous envoient ultimement de leur main et de leur être cet amour de guérison et de lumière qui va stimuler nos forces d'auto-guérison. Maintenant, tout doucement, ces êtres se dématérialisent autour de nous. Sachons les remercier du fond du cœur. Maintenant, chacun à son rythme, tout en continuant à respirer calmement et tranquillement, peuvent reprendre conscience de l'environnement qui les entoure, en paix, en joie et dans la sérénité. Merci à tous. C'est bien. Quel magnifique soin tu nous as offert là, Jean-Marie. Magnifique. Et je vois bien que nous travaillons bien sur les mêmes sphères. C'est génial. C'est génial. Donc, c'est vrai que je vais... à mon tour, vous proposer quelques soins, mais Jean-Marie a déjà, et ses médecins du ciel ont beaucoup, beaucoup avancé. C'est vrai que moi, je travaille aussi, comme je le dis souvent, pour mes soins. Je ne fais pas grand-chose, c'est surtout eux qui œuvrent, ces êtres de lumière, ces guides, qui sont là toujours pour faire le soin avec moi, ou pour moi, ou à ma place. Et donc, ce que je vais vous proposer pour commencer, c'est, vous êtes déjà à moitié endormi, donc refermez les yeux tranquillement, laissez-vous aller. Peut-être commencer par faire des grandes inspirations et des grandes expirations.
Grande inspiration, des grandes expirations, ample et agréable. Ample et agréable. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez un peu plus le calme et la détente, le bien-être, l'harmonie, entrer dans votre corps, entrer dans votre esprit. Pour commencer, je vais vous proposer de vous concentrer sur la zone où se trouve votre problème de santé. Si vous êtes là pour quelqu'un d'autre, concentrez-vous sur l'endroit du problème de santé de cette personne. Si vous avez un problème de santé général, comme une fatigue, une angoisse, un stress, une déprime, à ce moment-là, centrez tous ces problèmes de fatigue, de stress sur un endroit particulier de votre corps sur lequel vous allez vous concentrer. Mais vous allez vous y concentrer sans jugement, sans attente, simplement pour le regarder pendant quelques instants. Vous ne faites rien. Vous restez concentré, vous ne demandez rien, vous êtes là en observateur. Sachez que l'énergie suit l'attention. Et simplement en vous concentrant sur cet endroit, vous êtes en train d'apporter de l'énergie de guérison. Maintenant, je vais procéder à un soin énergétique sur chacun d'entre vous ou sur les personnes indiquées sur la liste du chat. Contrairement à Jean-Marie, je ne parle pas, mais tout le travail qu'a fait le soin de Jean-Marie et de ses médecins du ciel vont rendre mon soin beaucoup plus rapide. Je vais simplement travailler sur d'autres choses, sur d'autres niveaux. Donc je me tais et je reviens vers vous dans quelques instants.
Comme vous le voyez, ce soin a été beaucoup plus rapide grâce à l'intervention de Jean-Marie et de ces êtres de lumière qui sont venus de nouveau. Et là, je vais vous proposer un soin où je vais avoir besoin de votre participation. Pour cela, vous allez vous imaginer comme si vous étiez assis sur la paume de votre main, vous allez vous imaginer tel que vous êtes aujourd'hui, avec vos problèmes, avec vos soucis, avec vos problèmes de santé, avec vos plus, avec vos moins, vos souffrances, mais aussi avec vos bonheurs, vos joies, vos talents. Et dans votre autre main, vous allez vous imaginer, vous, tel que vous êtes, dans votre perfection, quelque part, dans une autre dimension, un être parfait, dans sa complétude. Et puis vous allez superposer les deux mains, peu importe laquelle est au-dessus, laquelle est en dessous. Et à ce moment-là, les deux êtres vont fusionner. L'être d'aujourd'hui et l'être parfait, quelque part, ailleurs. C'est ainsi que cet être parfait que vous êtes va transmettre des informations à l'être d'aujourd'hui. Laissez faire ces informations dans un premier temps, parce qu'ils vont vous aider sur votre chemin de vie. Mais aussi, vous pouvez lui demander, parce qu'ils vous transmettent les guérisons, les informations pour comprendre le sens de votre maladie, mais aussi les informations pour trouver le chemin de la guérison. Laissez faire l'alchimie. Je vais me taire pendant quelques instants, le temps que cette alchimie s'opère. Pour terminer, vous allez demander à recevoir les énergies de la Terre, ces énergies puissantes, chaudes, qui vous arriveront peut-être par votre bassin, par vos pieds. Ces énergies vont entrer en vous afin de régénérer, stimuler, revigorer chaque particule, chaque cellule, chaque organe de votre corps. Et tout en continuant de recevoir ces énergies merveilleuses, appelez les énergies de l'univers, qui vont provenir de l'ensemble des galaxies, des comètes, des étoiles, des planètes. Elles vont converger vers votre tête afin d'agir déjà sur votre esprit, votre concentration, votre mémorisation, votre attention. Elles vont également pénétrer dans votre corps afin de se mêler aux énergies telluriques et ainsi apporter une énergie de guérison sur chaque particule, chaque cellule, chaque organe de votre corps.
Et ces énergies, vous allez les apporter vers votre cœur, afin de les transmuter en une merveilleuse énergie d'amour. Cette énergie d'amour, vous allez vous l'envoyer à vous-même. L'énergie d'amour est sans doute l'énergie la plus puissante dont nous pouvons disposer dans cet univers. C'est une énergie de guérison remarquable. Alors, envoyez de l'énergie à votre corps, à votre être. Envoyez cette énergie d'amour à votre problème de santé, qui qu'il soit. Envoyez-lui de l'amour. Il est là pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. Envoyez-lui de l'amour. C'est ça, ce dont il a besoin. Votre corps n'est pas un champ de bataille. La maladie est une partie de vous. Alors ce n'est pas en se bagarrant contre soi-même que l'on gagne la partie, mais en s'aimant. En aimant cette partie qui a dévié pour des raisons qui lui est propre. Et donc, reprenons-la comme l'enfant prodigue et accueillons-la avec amour. Et puis, vous continuez de recevoir ces énergies cosmiques et telluriques, vous continuez de les transmuter en une merveilleuse énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, vous allez commencer à l'envoyer maintenant à toutes les personnes qui sont dans ce cercle. À toutes les personnes qui sont indiquées dans le chat. Afin que vos énergies d'amour les aident sur le chemin de guérison. Envoyez tout l'amour dont vous disposez vers tous les participants de ce soir. Tous les participants qui regarderont ce cercle en différé. Voilà. Ce soin est maintenant terminé, mes amis. J'espère qu'il vous aura apporté beaucoup. Et je repasse la parole à mon ami Olivier. Merci, Luc, pour ce soin. Il nous a vraiment nourris. Vous en conviendrez tous. Et puisque nous avons reçu, il est temps aussi de donner, tu nous as invité à le faire, d'envoyer cette énergie d'amour à tout ce groupe, à tout ce cercle de guérison. Et je pense que nourri de toute cette énergie d'amour, l'énergie d'amour qui est illimitée, on peut aussi l'envoyer à toute la Terre et à toute l'humanité. Donc Luc et Jean-Marie, je vous invite à porter cette intention d'amour, de s'unir encore une fois en cercle, en consolidant ce cercle. Et vous tous, mes amis, dans ce cercle, de visualiser notre Terre, notre belle planète bleue et toute l'humanité en envoyant cette énergie d'amour
en demandant l'harmonie pour toute notre humanité et pour tout le monde du vivant, qu'il soit animal, végétal et minéral. Voilà, Luc. Oui, je serais bien resté longtemps à faire ce transfert d'énergie, d'énergie d'amour à l'ensemble de cette terre et de cette humanité qui en a tellement besoin en ce moment. Et avant de clore et de repasser la parole à notre ami Jean-Marie, pour qu'il y a certainement des choses à nous dire encore, je vous proposerai un petit moment de recueillement, tout simplement. Un petit moment de recueillement, recueillement sur soi-même, mais aussi un recueillement pour remercier tous ces êtres de lumière qui nous ont accompagnés ce soir, tous ces médecins du ciel, le divin d'amour qui est à la fois en nous et tout autour de nous. Mais aussi nous pouvons remercier la vie et notre être intérieur, connaît notre route et qui est là sans arrêt en train d'essayer de nous montrer les meilleures voies pour notre chemin de vie, mais aussi pour notre guérison. Alors, restons quelques instants à nous recueillir auprès de tous ces êtres merveilleux. Je pense que nous pouvons laisser la parole quelques instants à Jean-Marie, qui a certainement des retours à nous faire par rapport à cette soirée, avant que nous finissions bientôt. Dis-moi, Jean-Marie. D'abord, merci Luc, merci Olivier, merci toutes les personnes visibles et invisibles. Je crois que je n'aurai pas grand-chose à dire, parce que je crois que des fois, le silence parle plus que la parole. J'aurais envie simplement de dire à vous tous, aimez, ressentez, partagez, rayonnez. Là est l'essentiel, là est l'essence du ciel. Merci. Merci Jean-Marie, merci pour ces bons mots. Comme tu le disais, Luc, on pourrait rester de longs moments dans cette belle énergie. Nous y sommes bien, tous ensemble. Mais nous l'avons reçue ce soir. Elle est en nous et continuons de l'alimenter. Voilà, les amis, le cercle va bientôt toucher à sa fin. On va bien entendu remercier Jean-Marie Le Gall, mais aussi les médecins du ciel et son grand-père d'avoir été là. Présence avec nous. Luc, grand merci. Avant de quitter, je vous propose de ressentir quel est votre niveau de bien-être
au terme de ce cercle de guérison. Souvenez-vous de votre niveau de bien-être au début et appréciez le chemin parcouru grâce à ce petit idéogramme. Voilà, bah écoutez, Luc, encore une fois, ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec toi, ce moment amical, ce moment d'énergie. Jean-Marie Le Gall, c'est tout pareil, tu le sais bien. On en a longuement parlé cet après-midi, toi et moi, en préparant ce direct-là. C'était une bien belle réunion. C'est un cadeau. C'est un cadeau de vous avoir réunis à l'écran. Donc, grand merci. Luc, je te laisse le mot de la fin. Je dirais grand merci aussi à vous deux, Olivier, et à toi aussi, Jean-Marie, mais j'ai aussi ressenti une superbe énergie dans ce groupe, une énergie forte, puissante, et sans laquelle aucun thérapeute, aucun soin ne pourrait fonctionner. Donc, c'est toujours des images en miroir. Donc, il n'y a pas que nous, ou que les êtres de lumière, que le divin, mais aussi il y a eu la participation de chacun. Participation de chacun qui a travaillé sur lui-même, mais aussi pour les autres. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau et merveilleux. Donc, je vous dirai mille bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur à tous sur votre chemin de guérison. J'espère que ce cercle vous aura apporté une petite pierre sur cette route. Et n'oubliez pas tout simplement que la connaissance, le chemin est en vous. Et comme je le dis souvent, notre cœur connaît la route. Maintenant, aurons-nous le courage de le suivre. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Et puis, je vous remercie aussi pour tous les nombreuses mentions j'aime, les suggestions, les commentaires et surtout les partages que vous pouvez faire de ce cercle qui, comme vous le savez, comme on vous l'a déjà dit, peut être très bien fait et re-refait en différé. Et je pense que les techniques qui ont été utilisées ce soir pourront vous aider beaucoup sur cette route. En attendant, nous allons programmer un autre cercle de guérison. Nous n'avons pas encore fixé la date, Olivier et moi, mais ce sera certainement dans le courant octobre. Affaire à suivre, mais au plus tard début novembre. Voilà. Bonne soirée et merci encore à vous, mes deux amis, Olivier et Jean-Marie. Ça m'a fait très plaisir de passer cette soirée avec vous. Merci Luc. Effectivement. On vous communiquera la prochaine date du cercle. En attendant, vous verrez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez les contacts pour rester bien entendu en contact avec Jean-Marie Le Gall. Son site internet est mentionné. Pareil, si vous voulez rester en lien avec Luc Bodin, vous avez un lien. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la santé irrésistible, pareil, vous trouvez le lien. Comme Luc vous l'a proposé, partagez. Partageons au maximum cette belle énergie autour de nous. On vous souhaite une très belle fin de soirée et à très bientôt. À très bientôt.